Donc peut-être qu'à un moment donné, il va falloir qu'on ait un peu de courage et juste de confiance en nous, de se dire qu'on finalement on n'a peut-être pas toutes les solutions. C'est sûr même que non, on n'a pas toutes les solutions. Par contre, avec tous nos cerveaux, on peut peut-être trouver déjà des solutions pour nous. Vous avez vu les derniers chiffres qui sont tombés, c'est 1% de la planète, 1% des gars, ils ont tout. Alors nous, on est des privilégiés, parmi les pauvres, on est les moins à perdre, donc évidemment, c'est pareil, c'est pas la Somalie, ah, c'est pas... Voilà. Mais du coup, voilà, en tout cas, 2017, ça va être chaud tendu du cul. Ils essayent de nous faire peur avec le Front National en disant attention, le Front National et tout. C'est pareil, c'est des peurs qu'on peut s'éviter si on regarde les chiffres. Ils n'ont pas augmenté le Front National depuis 10 ans. Donc c'est pas eux. Le premier parti de France, c'est les abstentionnistes. Il faut le faire grossir ce parti. Et qu'on devienne enfin décisionnaire de nos vies en toute autonomie, en toute conscience, en sachant que de toute façon, on ne pourra pas faire pire et que si on met dans chacun de nos gestes et dans chacune de nos pensées un peu d'amour, pour soi d'abord bien sûr, parce que si on n'arrive pas à s'aimer, je vois pas comment on va aimer les autres, mais si on arrive à bien s'aimer un peu et qu'on va vers les autres, bah, vous voyez, quand je vous vois, j'ai moins peur de vous que de Hollande ou de Valls ou je sais pas qui, tous les connards qui nous vivent depuis il y a 20 ans. Même plus, parce que moi j'ai 44 ans, ils étaient déjà là. Et même quand mon grand-père était là, ils étaient déjà là. C'était pas eux, c'était leur père. Et après eux, si on fait pas gaffe, ça sera leur fils. Donc voilà, soyons solidaires, soyons motivés et surtout... Vive la révolution ! Quand tous les pauvres s'y mettront.
texte de tout à l'heure, c'est une chanson qui parle de la commune de Paris. Alors je sais, on vous a pas appris à l'école, c'est normal, tout à fait normal. N'ayez pas peur, pas de panique, c'est tout à fait normal. Renseignez-vous, 1871, la semaine sanglante de Jean-Baptiste Clément, auteur du Temps des cerises. Qu'est-ce qu'il nous dit Jean-Baptiste Clément ? Dans le Manche, les mauvais jours finiront. Merci. 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 Mer